when I should've known that this bitch was strong. Send a text to my phone, bitch, leave me alone. Let go, cause I'm never coming home, get a new. Yo, salut les gars, c'est Gaboost. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va plus ou moins bien. En fait j'ai un rhume, j'ai mal à la gorge, j'ai mon nez qui coule, je tousse, enfin bref. On s'en fout, mais c'était une petite précision, c'est pour ça qu'hier j'ai pas posté de vidéo. Et c'est pour ça qu'avant-hier j'ai posté une vidéo en musique qui vous a énormément plu. Parce que c'est un record de la nucléaire la plus rapide au fusil à pompe. Vous avez été nombreux à avoir lâché un petit pouce vert et à avoir commenté. Ça me fait vraiment plaisir parce que vous motivez les gars. Une de rien, je sais pas si vous l'avez remarqué, ça fait déjà au moins une semaine que je poste une vidéo tous les jours et ça va continuer. C'est grâce à vous que vous me motivez. Vous pouvez constater que les vues ça ne grimpe pas énormément. Les abonnés j'en gagne pratiquement pas. Mais mine de rien, je sors toujours des vidéos tout simplement parce que vous me motivez. Vous pouvez être vraiment fier de vous. En tout cas, moi je suis fier de vous les gars. Peut-être qu'un jour que je gagnerai beaucoup plus d'abonnés. Peut-être qu'un jour j'aurai, je sais pas, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés. En tout cas, si j'y arrive un jour, bah, vous pourrez être fier de vous parce que ce sera grâce à vous parce que vous m'avez toujours motivé. Du coup, je dois vraiment vous remercier du fond du cœur les gars. Bref les potes, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de ma série Rocket V2 avec toutes les armes. Dans ma dernière vidéo, comme je vous l'ai dit, j'ai sorti un record de la nucléaire la plus rapide avec la catégorie des fusils à pompe. Et vous avez été nombreux à me voir demander dans les commentaires ma classe. Je me suis dit, bah, c'est la meilleure des occasions, étant donné que j'ai une série qui consiste à vous présenter toutes les armes du jeu et à présenter une Rocket V2 avec toutes les armes. Bah, c'est la meilleure des... C'est la meilleure des solutions, c'était de vous faire une vidéo parce que écrire à chaque fois, à chaque commentaire, c'est un peu la galère. Du coup, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve avec le fusil à pompe de combat. Voilà, je ne vais pas vous mentir que la catégorie des fusils à pompe sur ce jeu, elle est complètement délaissée. C'est-à-dire que pour moi, les fusils à pompe ne sont pas du tout puissants. C'est vraiment n'importe quoi. Pourtant, c'est aussi important, hein, la catégorie des fusils à pompe. Moi, j'apprécie beaucoup, hein, jouer avec cette catégorie-là parce que, voilà, pour enchaîner les ennemis, il n'y a rien de mieux. Ça fait toujours plaisir de mettre une quad feed, d'enchaîner 3-4 gars sans mettre de clip. Mais d'enchaîner 3-4 gars, ça fait toujours plaisir, hein, tout simplement. Bref les gars, tout ça pour vous dire que voilà, quand vous jouez aux pompes les gars, ne pensez pas directement à faire une grosse série, ne pensez pas directement à faire une bonne partie parce que j'ai fait quand même pas mal de tentatives fail, tout simplement parce que je mettais d'énormes marqueurs et tout simplement parce qu'il m'a fallu du temps pour m'adapter à mes déplacements. Quand vous jouez aux pompes, ayez des déplacements très intelligents. Déjà de une, jouez sur des petites maps comme comment ça s'appelle, Pointe de Hoc, comme Flaktoyer et comme Sainte-Marie-du-Mont. Par exemple, si vous jouez sur Gustave Canon, là c'est sûr que vous allez avoir des duels éloignés et c'est sûr que vous allez pratiquement perdre tous vos duels. Privilégiez les petites maps pour avoir des duels rapprochés, tout simplement. Bref, ayez aussi des bons déplacements, c'est très important avec la catégorie des fusils à pompe, tout simplement parce que voilà, vous pouvez enchaîner un mec, si vous avez de la chance, si vous ne mettez pas de marqueur, vous pouvez enchaîner deux mecs, mais trois mecs c'est très très compliqué, il faut vraiment avoir des bons réflexes et des bons déplacements, du coup n'hésitez pas à contourner, et si vous êtes comme moi, un rentre-dedans, mais franchement les gars, faites que du full rush, c'est pour ça que je vais vous donner ma classe, vous allez comprendre pourquoi je joue avec la truc que je vais vous citer dans quelques instants, donc voilà, c'est très important, tout ce que je suis en train de vous dire les gars, la catégorie des fusils à pompe n'est pas facile à s'adapter tout simplement. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec l'arme bien évidemment qui est le fusil à pompe de combat. Comme accessoire, je vous conseillerais de mettre trois accessoires, donc forcément il vous faudra la division infanterie pour avoir un troisième accessoire tout simplement et pour avoir un chargeur supplémentaire. Bon, c'est pas très important mais c'est toujours sympa d'avoir des balles de côté. Je vous conseillerais comme premier accessoire chargeur de capacité. Comme je l'ai dit, si vous êtes un joueur nerveux comme moi, ben vous êtes très très souvent dans le spawn ennemi et vous allez voir que vous allez mettre beaucoup de marqueurs. Étant donné que vous allez mettre beaucoup de marqueurs, avec le petit chargeur que vous allez avoir, vous devrez charger toutes les 2 secondes. Du coup, chargeur de capacité, c'est la meilleure des solutions. Deuxième accessoire, rayure avancée qui est obligé avec les pompes, pas besoin de préciser pourquoi. Et bien évidemment, visée solide pour tirer au sujet, au corps à corps. Si vous avez de la chance, vous ne mettez pas des marqueurs, tant mieux, mais moi, j'ai pas beaucoup de chance. Bref, voilà, comme à tout, très important de mettre énergique, tout simplement, pour récupérer plus rapidement après avoir sprinté, tout simplement, c'est très important, hein, cet atout là quand vous jouez aux pompes. Bref les gars, j'espère que ça va vous aider, n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde, c'était Globox, bye bye tout le monde.